Bien le bonjour à tous, c'est Zolru et bienvenue pour ce nouveau let's play sur Shadow of the Colossus. Je suis déjà sur le cul par rapport à la cinématique d'intro, enfin c'est vraiment incroyable, je sens que de toute façon je vais être comme ça pendant tout le jeu, je vais être tout le temps, oh, c'est incroyable, c'est fou. Donc voilà, effectivement nouveau let's play, donc je sais que c'est assez inattendu parce que j'avais dit que normalement il n'y en aurait plus, mais là je sais que quand j'ai vu que le jeu allait être remasterisé, que c'était un jeu incroyable. Non, par contre, ne lance pas des choses comme ça. Il a lancé la cinématique d'introduction. Quand j'ai vu que le jeu allait être masterisé, que je savais que c'était un jeu qui était incroyable, je me suis dit il faut que je le fasse. J'ai envie de me faire plaisir. J'ai envie de vous faire un let's play dessus. Et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc comment ça va se passer? Classique. Des épisodes de à peu près 30-40 minutes. À intervalles réguliers, je ne saurais pas vous dire combien, on va essayer deux fois par semaine, on va essayer. Et évidemment, je vais pas forcément mettre la caméra tout le temps, parce qu'en fait c'est un jeu qui est assez contemplatif, c'est un jeu qui est assez immersif je trouve. Donc c'est un jeu qui mélange à la fois des phases de combat contre des énormes colosses, c'est le nom du jeu, hein, Shadow of the Colossus. Donc voilà, pour ceux qui savent pas, le principe c'est de se battre contre des boss géants. Tu arrêtes de me mettre la cinématique d'intro, j'en ai marre. Et ça mélange aussi un petit peu, je crois, ce gameplay-là, du coup, avec des énigmes. Mais je vais pas forcément mettre la caméra tout le temps, parce que, enfin, c'est pas toujours terrible. Je pense que vous en avez marre de voir ma tronche, il y a un moment où stop, quoi. Donc, je vais couper la caméra. Hop, voilà, c'est bon. Et on va directement y aller, nouvelle partie. Je sens qu'on va adorer ce jeu, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis vraiment comme un fou. Je me suis dit au départ, je vais me le garder pour moi, je vais me faire de mon côté, etc. Je vais le rusher, puis je me suis dit non, je pense que ces gens, les abonnés doivent voir cette chose, qui à mon avis est absolument incroyable. On va faire une nouvelle partie en normal du coup, et on va y aller. Alors je suis actuellement sur PS4, hein, donc c'est la première fois que je teste un let's play sur PS4, j'espère que tout va bien se passer, que le son est bien, que la voix est bien, que tout va bien. J'espère que tout ira bien, et puis voilà, on est parti.
as you hic aurel yek for all hic du ibi kuka yulb zolu ionudu yulilo kok ai yuzi yula koldo loya aulik aulazulam kas ilzazeri ku atzoko Amnos Cludu Laomism Wop was Uediulas also view ours is view. Ikola Lukizado U Lola Islis was Iuku Aumiz Quikil Uala La Quika. Alu yula. Oshitu hailu wa wuki waikua. Ujizu hiazu wu tsudoko. Waj norude kyo uti yula. I will end you soon. Alu yuli. Yuaizu. Dormi. Kyoto. Izu kyunku. It is all of you equal. It's not all amuse. A little click, if the least to is. What's more, it's all you know. Elaka was is all I'm to call. You are. Zanada? Uko, I want to. Was Nasus? Oh, you know, you are there. Cry of sound. Was you are there.
like you are. Gnosis, Hiroya Yurans, Kaldu, Nukodu. Olam. Yurandu was not little, Hiroya Yero. Warrior Awanshi. Olam, you do new. Ok, oula, il s'est retourné plutôt, je pensais pas que ça allait être aussi violent. Alors, on est parti du coup pour commencer à jouer. Alors, déjà, voilà, c'est absolument exceptionnel, c'est magnifique, c'est l'ambiance est incroyable, les musiques sont formidables, enfin, tout est incroyable. Et voilà un petit peu le speech de l'histoire. Alors, je vous avoue que je ne connaissais absolument rien du jeu auparavant, je savais absolument pas ce que c'était, enfin... Je savais juste qu'il y avait une histoire avec des colosses, enfin c'est tout quoi. Et en clair, voilà, le principe c'est qu'on est ce jeune homme qui, pour moi, ressemble un peu à une fille. Mais c'est pas grave. Qui donc a perdu un être cher, donc cette jeune femme, qui je pense est soit sa femme, soit sa fille, enfin qui est au choix. Et en clair, donc il est venu dans cet endroit pour la ressusciter, mais le prix à payer c'est de tuer ces colosses. Et visiblement, ça va être compliqué. Mais ce n'est pas grave puisque... Je suis Zolru, donc c'est-à-dire forcément un combattant incroyable. Alors, on peut mettre des petits coups d'épée comme ceci. On peut appeler notre cheval. On peut faire des roulades absolument magnifiques. Oula, putain. Chaque fois, on dirait qu'il se pète la gueule. Attends, qu'est-ce que... Voilà, hop. Voilà, c'est une roulade un peu spéciale. Mais c'est pas grave. Écoutez, je crois qu'on est bon. On peut faire des espèces de petits bonsoirs. Et... Voilà, on peut... faire la lumière comme ceci, c'est génial. Alors, on va aller du coup ici, je crois qu'il faut utiliser justement ce pouvoir de la lumière pour... Voilà, le colosse. Le colosse est là-bas. C'est une sorte de carte. Je crois qu'on a une carte ici, voilà. Oh là là là. Ah oui. Oui, c'est ma foi fort agréable. Alors, attends. On peut se déplacer. Donc là, on est au milieu. On est au milieu, donc je pense qu'il va falloir du coup aller explorer toute la région. Je crois qu'il y a 16 colosses, voilà, on peut le voir là. 8 à gauche, 8 à droite. Donc, je ne sais pas quelle est la durée de vie de ce jeu, je ne sais pas en combien de temps se battent les colosses, je ne sais pas du tout. On va bien voir, écoutez. Hop, bonsoir. Oh, c'est magnifique. Franchement, oh, tu vas parler poliment déjà. Donc, on va descendre. Oh, oui, alors attends. Contrôler les rênes avec elle. Ok. Attends, je vais mettre des grosses tatanes là. Obéis-moi, sale chien. Voilà, c'est bon. Ça veut dire qu'il faut... C'est très bizarre, ok. Oh là 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 là. Bon, c'est un jeu en clair où... Non, il faut bien accélérer. Avec... C'est très bizarre. En clair, on n'accélère pas automatiquement. Il faut appuyer sur un bouton pour accélérer. Wow. Qu'est-ce que tu fais? Attends. Là, je commence à faire n'importe quoi. C'est génial. Donc voilà, c'est un jeu où on va beaucoup explorer. C'est-à-dire qu'on va pas forcément explorer. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à trouver. Je pense pas. Enfin, honnêtement, je suis pas sûr qu'il y ait des collectables. C'est possible, mais j'ai pas eu de... Je n'ai pas de retour par rapport à ça. La position actuelle, donc je suis là. Je pense qu'après, je pense pas qu'il y ait 16 colosses là-dedans, parce que ça me paraît un peu petit. Enfin, c'est-à-dire que l'échelle de la carte est un peu petite. Donc, voilà, en tout cas, c'est par là qu'il faut aller. Qu'est-ce qu'il fait? Waouh! Qu'est-ce que tu fais? D'accord, il a fait un truc un peu chelou. Ok. C'est très chelou. Mais c'est par... Alors, par contre, la caméra, j'ai un peu du mal, je vais pas vous le cacher. Mais je pense que c'est par là qu'il faut aller, évidemment. Donc, voilà, c'est un jeu où il va falloir un peu bah, aller chercher les colosses, il va falloir les trouver, il va falloir les... Les chasser pour qu'on puisse pour qu'ensuite on puisse les combattre, parce que je crois qu'on justement on va pas les combattre tout de suite. Donc voilà.
Donc voilà, je crois qu'il va falloir monter. Donc il y a un peu d'escalade, un peu de grimpette, s'il me semble. Donc bon, tu vas dégager, voilà, merci. Est-ce que je peux courir? Je ne sais pas, je peux juste... Je sais pas, ce truc est très bizarre. Hop, la fameuse roulade qui se pète la gueule. Je sens que je peux beaucoup m'amuser avec ça. Donc je peux grimper, normalement, il me semble. Et je crois, il me semble aussi, j'ai beaucoup il me semble parce que je vous dis, je sais pas grand chose au final. Je crois qu'il y a aussi une histoire avec des énigmes. Oula, désolé, mon clavier qui est tombé. Donc on va voir ça aussi. Je sais même pas si c'est ça qu'il faut faire. Ça commence tellement mal. Ah, c'est peut-être là qu'il faut grimper. Voilà, c'est ça. Donc il faut s'agripper avec R2. Ah, donc il faut le laisser appuyer, d'accord. Parce que je crois qu'effectivement, alors j'ai vu très peu de choses. J'ai vu très peu de choses sur ce jeu. J'ai dû voir juste un combat vite fait avec un colosse. J'ai dû voir une phase de combat vite fait, mais genre de 5 minutes. Pour vraiment pas me... Hop, pour vraiment pas me spoiler. Et donc je sais qu'en clair on peut s'agripper sur les boss, notamment, enfin sur les colosses. Hop. Ah oui, donc c'est comme ça, et après c'est R2 pour s'agripper. C'est un peu bizarre, je dois vous l'avouer. Mais c'est-à-dire qu'en fait on s'agrippe pas automatiquement. Donc c'est pour ça que ça va pas être évident. La caméra m'a l'air un peu capricieuse, mais c'est pas grave. Ouais, une roulade, ok. Là, ce qui nous dit les trucs à faire après que ça se passe. En fait, c'est chiant parce que je sens que ces vidéos, j'ai envie d'en faire des vidéos d'une heure, mais je vais pas pouvoir, c'est compliqué sinon. Hop. Voilà. Il faut vraiment que je maintienne tout le temps R2 si je veux pas. Enfin, je sais pas. Donc, ouais, effectivement, comme je vous dis, c'est la première fois que je fais un let's play sur PS4, c'est-à-dire que. Voilà, effectivement, normalement, j'ai. Je suis toujours sur PC. Donc j'avais acheté un boîtier, pour ceux qui ne savent pas, j'avais acheté un boîtier expressément pour ça. Donc j'espère que ça marchera bien. Ok, appuyez sur... Alors effectivement, je crois qu'on a en clair soit un arc, soit une épée. Donc, on peut maintenir L2 pour maintenir la caméra sur le colosse. Et je peux normalement... Hop, oh putain, alors... Alors, attends. Alors, je l'ai attaqué. Et je crois qu'il va se retourner, c'est grand mort. Bonsoir. Ah, il fait peur un peu. Alors, là, il va me saouler. Alors, bon, bonsoir. Donc, on commence. Je sais pas. Donc, voilà, je vous ai dit, c'est boss directement. Alors, faut savoir que c'est un problème. C'est un peu problématique parce que j'ai très peur devant les boss de manière générale. Il va m'enculer. Ok, c'est parti. Waouh, waouh, waouh. Et donc, je crois que je peux grimper sur lui. Renvoyer les rayons sur le colosse. Ah, d'accord. Renvoyer. Ok, alors, je suis pas dans la lumière donc c'est un peu compliqué. Alors. Bonsoir. Alors. Là, ici, ce sont ses bras. Je sais pas si ça veut dire que ce sont ses bras ou. Aïe. Ok. Pour lever votre épée, pour plonger votre arme. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Attends, hop. Non, ça ne marche pas. Bon, alors, ça va être très compliqué. Parce que je suis mauvais. Alors, je suis mauvais au jeu de manière générale, mais là, spécifiquement... Bonsoir. Voilà, ça peut arriver, sûrement entendu. Attaquez sa jambe, puis frayez-vous un chemin. Ouais, c'est bien ça, c'est bien ce que j'avais compris, mais aïe. Oh putain, j'ai pris extrêmement cher. J'ai pas fait gaffe. Alors, tu peux te relever s'il te plaît. Je sais que normalement tu devrais être mort, mais. Bon, je vais attaquer sa jambe. Rien à foutre. Alors, si je. Vous pouvez crier, je sais, parce que je suis très mauvais. Ah, mais attends, c'est peut-être derrière sa jambe. Parce que derrière sa jambe, on dirait qu'on peut s'agripper, effectivement. Ouais, voilà, c'est ça. Regarde, hop. Aïe. Aïe. Putain, je me fais déboîter. Aïe, mais c'est pas possible. Bah, je suis mort, très bien. Et bah je suis mort, et je suis désolé d'être aussi mauvais, vraiment, très clairement. Attends, on va peut-être recommencer. Ok, on va grimper, hop. Voilà, je peux grimper ici, je peux maintenir.
Et là, normalement, si je mets ici, voilà. Hop. Hop. Attends. Voilà, c'est bon. Normalement, voilà, c'est, j'ai planté là-dedans. Ok, et là maintenant, je devrais pouvoir grimper sur ses bras. Aïe, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Aïe, aïe, aïe. Plus vous accumulez de puissance, plus vous enchaînez de dégâts. D'accord, je me doute bien. Ok, on va essayer de attaquer dans son truc, là. Hop. Voilà. Hop. Alors, on va essayer de grimper là-dessus. Voilà, oh là, je suis sur son cul. Ça peut arriver. Je suis sur son cul, bonsoir. On va essayer de rester agrippé. Mais tant vous dire que c'est pas évident. Attends, vas-y, grimpe, 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 grimpe. Waouh, waouh. Alors, il va pas aimer que je sois sur son cul, mais là, j'y peux rien. Bonsoir. Ok, c'est très, très, très stylé. Le fait de grimper sur lui comme ça, c'est incroyable. Voilà, je fais un peu mal. Alors, je crois qu'il faut quand même trouver ces endroits un peu vitaux. Je sais pas. Ah là, sur sa tête. Pourquoi est-ce qu'il me dit... ah, c'est ma jauge de grimpette. Ok, normalement c'est bon. Alors, il faudra plutôt que j'accumule de la puissance. Ok. Ok, alors attends. Oulala. Ok. Putain, alors faut bien s'accrocher parce que c'est un peu la galère. Non, 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 qu'est-ce que tu fais? Alors le mec il est en train de se faire un breakdance sur sa tête là. Non! Bonsoir! Aïe! Merde! Aïe, ça fait mal. Alors pourquoi est-ce qu'il me dit alerte? Pourquoi est-ce qu'il me dit alerte? Ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce qu'il me dit alerte? Hop! Ouais. Bon, on va regrimper sur sa jambe du coup. Donc il va falloir que je fasse ça là. Voilà. Putain, putain, je vais tomber. Je vais tomber. Je vais tomber. Ok, on commence à vrai. Je sais pas ce que ça veut dire ce truc de. Une espèce de voyant. Ah, c'est ma jauge d'endurance. D'accord. D'accord, d'accord. Donc il faut que je la recharge. C'est pas grave. C'est ce que je me disais. Je me disais, c'est bizarre qu'on ait autant d'endurance en fait. Donc faut la recharger, donc faut vraiment rester, donc faut faire attention à ça, donc ça j'avais pas compris. Parce que moi je savais pas ce qu'était ce point jaune ici, parce qu'en fait je... Aïe aïe aïe. À cause de... Enfin pour vous dire, à cause de la... du micro, je vois à peine la... Je vois à peine ce point justement. Donc je ne comprenais pas pourquoi. Donc il vaut mieux rester grimpé sur son dos là. Voilà. Hop là. Et rester un peu agrippé ici pour... Voilà. Ok. Non! Oh putain, il m'a fait peur ce coup. Ça peut arriver. Hop là. Voilà. En fait, c'est chiant qu'il fait failli tout le temps maintenir pour... Oh putain. Ouf. Calme-toi, mon coco. Ça va aller. Hop. Voilà. Bon, je suis désolé, c'est un peu compliqué de commenter pendant les combats parce que... Enfin, c'est tellement incroyable. Pour moi, c'est un jeu vraiment où faut contempler. Il faut être un peu... sur les culs. Alors attends, hop. 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 Voilà. Et là, normalement, il est presque mort. Clac.
Très bien. Voilà, oh, la petite colombe qui passe devant lui, c'est génial. Ah non, je maintiens que cette personne a un visage féminin, très féminin. Bon, c'est pas grave. Ça peut être un avantage aussi, quelque part. Alors, je dis ça, je dis n'importe quoi. Très bien, bon, c'était sympathique ce premier combat. Alors, vous, attendez-vous à ce que je galère un peu, hein, parce que je veux dire, faut pas croire. Bon, évidemment, c'est pas si simple que ça. Là, c'était le premier, c'était quand même très simple de le tuer, il fallait monter et hop, t'enchaîner. Mais évidemment, ça va se corser, évidemment, au fur et à mesure que ça va avancer. Et c'est pas évident, enfin, c'est pas évident. Pour quelqu'un comme moi qui est un peu teubé, ça sera pas toujours évident de trouver le point faible, etc. Alors, bon, là, c'est juste que je comprenais pas comment on pouvait grimper directement sur sa chambre. Je croyais qu'en fait, il fallait l'affaiblir pour faire tomber définitivement et puis aller grimper sur lui et trucs dans le genre. Mais voilà. L'atmosphère est tellement incroyable, c'est complètement fou. Attends. J'ai envie de faire le truc que j'avais réussi à faire là. C'est quoi déjà, c'est ça? Voilà ça, hop. Attends. Non, pas ça. Non, pas ça. Je voulais faire, attends, le truc où on saute de lui là. Attends. Non, bon, j'arrive pas à faire le truc, c'est pas grave. Ok, ah oui, c'était ça, voilà, c'est juste ça que je voulais faire, le fameux saut de cheval. On va aller voir ce que c'est du coup. What is this? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok. Ah, peut-être c'est comme ça là? Non, pas du tout. Très bien. Ils en ont rien à foutre, le jeu. Blessure sur... Ah, après, c'est peut-être possible parce que j'ai pas de blessure. C'est peut-être pour ça aussi que ça marche pas. Ok. Je crois que ça fonctionnait comme un point de sauvegarde. D'ailleurs, j'ai pas vu au niveau du menu. Sauvegarde manuelle, très bien. On va faire une sauvegarde manuelle. On va pas encore s'arrêter là tout de suite. On va un petit peu avancer. On va sauvegarder celle ici. On va un petit peu avancer. Donc voilà, il y en a 16 du coup. Donc là, ça allait vite. C'était le premier parce que c'est vraiment le premier. Donc forcément, c'est très simple. Mais bien évidemment, ça ne sera pas aussi simple pour la suite. Donc on va pas tout de suite s'arrêter là. On va quand même essayer d'aller trouver l'endroit où se terre le prochain colosse. Donc il a parlé de grotte marine. Ça me. J'aime pas trop. J'aime pas trop. Alors là, il m'indique pas tellement où c'est. Parce qu'il y a des nuages aussi. Je voudrais que tu me dises précisément où c'est. Parce que là, c'est quand même une... Ah, par là, ici. Ok, par là. Comme ceci. Ok, bah c'est parti du coup. On se dirige vers la prochaine destination. Voir la carte. Donc là, c'était le colosse qui était là. Est-ce que vous pensez qu'on peut refaire les colosses? Je ne sais pas. Peut-être que oui, je sais pas. Pourquoi est-ce que... Alors attends, parce que là, mon truc est en surbrillance. J'en sais rien. Bon. Ouh là là, c'est assez sombre par là. Ça me fait un peu penser à... À la plaine d'Hyrule dans Twilight Princess. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'au départ, quand je me suis dit, quand j'ai su que. Oh là, voilà, calme-toi. Quand j'ai su qu'au final le jeu c'était simplement. Enfin, quand j'ai simplement ça. Attention à toi, qu'est-ce que tu fais, malheureux. Quand j'ai su que le jeu c'était simplement ça. C'est-à-dire aller combattre des colosses, etc. Et qu'il n'y aurait que ça, donc c'est par là-bas. Ok, je me suis au départ, mais c'est bizarre parce que c'est à dire que le jeu doit être très très court au final, c'est à dire que il va pas se passer grand chose. Allez, 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 il est un peu casse-couille. J'ai un peu du mal avec la caméra, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, c'est très, c'est à dire que là par exemple, j'ai du mal en fait avec le cheval à en même temps bouger la caméra et en même temps, je sais pas. J'ai pas forcément vu beaucoup de tests sur ce jeu non plus, c'est à dire que je ne sais pas quels sont les points positifs et les points négatifs. On va regarder directement par là. Pareil, je ne sais pas s'il y a des collectables. Comme j'ai dit tout à l'heure, pardon, parce que moi j'ai eu un bug. Ah. Quel est ce bruit? J'entends un bruit, mais je ne sais pas où il est. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Non. Qu'est-ce que c'est que cette... Ah, là. C'est ça, là? Donc c'est juste en dessous. C'est bizarre, pourquoi est-ce qu'il me dit... Ou alors ça veut dire que je suis en dessous. Vous voyez l'espèce de... Attends, pourquoi est-ce qu'il fait une sorte de va-et-vient? Bon, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Est-ce que je peux grimper sur ces énormes structures? Puis-je grimper? Non, visiblement non. La question c'est comment je descends. Donc là, visiblement, il y a une sorte de truc pour descendre là-bas. Sauf que...
Si vous croyez que je peux descendre comme ça. Et on va essayer des choses, hein. On va bien voir, on va bien voir ce qu'on peut faire. Je risque d'être très teubé, hein, donc de passer beaucoup de temps à chercher comment est-ce qu'on fait. Là on semble pouvoir faire le tour. Là c'est le pont sur lequel on était tout en haut, mais on peut pas passer. Le cheval nous suit tout seul, c'est très bien. Je pense qu'il faut qu'on aille là-bas, très bien. Bah écoutez, on va y aller à pied, on s'en fout. Il me fait toujours le truc bizarre là. D'accord, c'est juste qu'en fait c'était... Alors pourquoi est-ce que c'était jaune? Peut-être que j'ai raté les trucs. Donc si vous connaissez le jeu un petit peu, que vous savez les trucs, etc. N'hésitez pas à me dire des choses, sans me spoiler évidemment, même si je pense pas qu'il y ait grand chose en termes de scénario à part ça. Mais ne me spoilez pas, mais n'hésitez pas à me dire aussi si je fais une erreur, s'il y a des trucs que je pourrais faire, des tactiques et compagnie. Je sais pas si je vais... Enfin, je vais essayer de... Si vous voulez avoir des épisodes assez régulièrement... Je vais quand même essayer d'enchaîner un peu les tournages, donc c'est pas dit qu'à chaque fois j'ai vos retours, comme d'habitude. Mais on va essayer, on va essayer, on va essayer. Et voilà, donc là la caméra d'ailleurs n'est pas activée. Voilà. En fait, je pense que même la caméra, comme je disais au début, je vais pas souvent la mettre. Je pense que je vais même la mettre qu'au début et qu'à la fin en fait. Parce qu'en fait, le reste, enfin voilà quoi, c'est un jeu contemplatif. Il y a un moment où ma grosse tête en plein milieu d'un jeu aussi beau, je crois que vous n'en avez un peu rien à foutre. Donc je pense que c'est ça la grotte marine. Même si, je sais pas, on dirait pas trop une grotte, mais plutôt une crevasse, c'est un peu bizarre. Et je pense qu'il faut descendre. Mais, alors c'est un peu perturbant parce que justement, comme c'est très très grand et très très vaste, etc. J'ai très envie de tout explorer en fait, d'aller partout. Ah, je crois que c'est là. Mais non, parce que je crois qu'il n'y a pas grand chose. Ah, je crois que c'est par là, hein. Je crois que je l'avais compris aussi. Je sens qu'il va pop de manière inopinée, si je peux me permettre. Donc on va bien voir. On va juste voilà trouver le colosse, on va voir un petit peu à quoi il ressemble, à quelle est sa tronche. Et puis on s'arrêtera là pour aujourd'hui, et puis on le fera directement la prochaine fois. On enchaînera sur ça. Donc voilà. En fait, j'avoue que j'aimerais bien attendre vos retours avant de tourner le prochain, mais là j'avoue que je suis dedans. Je me sens à l'aise, comme on peut dire. Et du coup, j'ai envie d'enchaîner, je ne sais pas, je suis ma foi un peu perplexe devant un tel jeu. Mais voilà, je vous dis, j'aurais pu me le faire pour moi-même, mais je me suis dit... Ouais, quand même, allez, ça envoie du pâté, on va leur montrer un peu. Déjà, je me suis fait, alors pour ceux qui ne savent pas, du coup, je me suis acheté cette PS4 assez récemment, donc c'est pour ça. Et je me suis fait, donc, The Last of Us Remastered. Et pareil, ça aussi, je ne sais pas si je vous le faisais, mais bon, je me suis dit, c'est un jeu quand même qui est vachement ancien, enfin vachement ancien. Qui date quand même d'il y a quelques années, donc est-ce que ça va vraiment le coup de vous le faire ou pas? Ça va me popper sur la tronche. Ok, je crois que c'est par là. Et donc là, je me suis fait de mon côté et c'était absolument incroyable. Mais, voilà. Alors, je sens par contre que en clair, ça doit être ce truc-là. Si c'est dans l'eau, par contre, ça va pas me plaire parce que... Non, non, tu vas... Oh là, voilà, calme-toi. Quel est ce truc? Calme-toi. Il arrête pas de... Ça doit être par là. Ça doit être par là. Attends, là, ici. Quel est son nom? Bon. Bah écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là en fait, parce que c'est dans le coin, c'est sûr. Très bizarre, je comprends pas où c'est dirigé. Je dirais que c'est dirigé par là-bas. Vous voyez derrière ce truc. Après, c'est une grotte, donc ça se trouve, il faut trouver un passage pour entrer. Bah écoutez, on trouvera ce passage. La prochaine fois, je pense que c'est le bon moment pour arrêter, puisque nous sommes devant une magnifique petite rivière. Enfin, c'est pas une rivière, c'est une sorte de... Je sais pas comment qualifier ça. Je suis perdu. Bon, quel est ce truc là-bas? Il y a plein de trucs partout, j'ai envie de voir un peu, mais ça sert à rien, je sais, mais... c'est quand même assez incroyable. Je sais pas... J'ai pas vu à quoi ressemblait la version PS3, du coup. Non, c'était PS2 même, Shadow of Colossus, je sais plus. C'est quand même un petit moment qui est sorti. Mais j'ai pas vu la version, la première version, donc je ne sais pas quelle est la grosse... Je pense qu'il y a quand même une grosse différence graphique, quand même. Si c'était il y a 10 ans, je pense que c'était... Il y a quand même une assez grosse différence, mais voilà. En tout cas, voilà, c'est magnifique. J'espère qu'on va passer un bon moment, et j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi sur ce premier épisode. Voilà, on va enchaîner tranquillement, je ne sais pas quand est-ce que sortiront tous les épisodes, voilà, c'est... En ce moment, sur la chaîne, c'est un peu compliqué, parce que j'avais dit que je ferais des choses, etc. À la rentrée, au final... Ça va changer, je sais jamais ce que je vais faire, de toute façon c'est terrible. Ça va faire au moins 36e fois que je veux changer de truc, mais voilà. J'en parlerai du coup prochainement dans une autre vidéo, je parlerai de tout ça, les let's play, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, etc. Des lives et compagnie.
Pour le moment, on va s'arrêter là, ça sert à rien que j'en parle maintenant. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus pour le retour de Let's Play, et notamment de Shadow of the Colossus. Et pourquoi tu fais des trucs comme ça? J'adore. Donc, juste une petite roulade pour la fin. Hop, je me vautre. Mais c'est terrible, on dirait qu'il se vautre. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Merci encore, à bientôt pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau live. N'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur Twitch, parce que en ce moment, je fais des lives un peu sur Twitch, etc. Donc j'essaie d'alterner un peu entre YouTube et Twitch pour voir un peu comment ça se passe. À bientôt pour la suite de nos aventures sur Shadow of the Colossus. C'était Zolru, à bientôt.